savez ma passion pour Billy Gibbons et ZZ Top. Donc, durant ces confinements, pas avoir un ZZ Top à bosser, ça serait vraiment dommage. Donc, j'en ai trouvé un qui est à peu près simple. Il faut juste être bien en place par rapport au silence qui se crée avec la batterie. Mais il n'y a rien de vraiment compliqué. Donc, ça s'appelle Master of Spark. C'est sur le célèbre album Très Sombresse. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec l'introduction. Donc, l'introduction est conçue comme ça. Des notes simples, un La, un Sol. Donc, nous sommes en train de faire un La sur le temps. 3, 4, 1, 2, 3, ta-da-da-da. Et nous avons deux croches à faire, un La et un Sol sur le quatrième temps. Donc, premier temps, La, 2, 3, La, Sol, La. Donc, on est en terrain inconnu, mais faut être vraiment en place. Je refais au ralenti. 1, 2, 3, 4, La, 2, 3, La, Sol, La. Donc, pour ceux qui ne maîtrisent pas les notes, 5, 5, 3, 5 sur la corde grave. On ne peut pas faire plus simple. 2, 3, 4. D'accord ? On va rajouter la suite. On commence une deuxième fois. Et donc le Vla, le Mi rajouté. Donc s'ensuit un plan chromatique, donc le Mi grave, et après le chromatique de Sol, Sol dièse, La. Pour aller récupérer le Do en dessous. Donc je refais la toute première partie. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Je reprends. 2, 3. Donc là, on a le plan complet d'intro. Je refais une dernière fois en accélérant un petit peu. 1, 2, 3, 4. 2, 3. 2, 3. 4, 2, 3. Donc on voit que tout se suit. On est en proche du début à la fin. Donc je refais une dernière fois à la vraie vitesse. 1, 2, 3, 4. Je repars. J'ai changé la fin. On avait bien le plan chromatique comme tout à l'heure. Sauf que je ne m'arrête pas au Do. Je continue. Je glisse jusqu'en 7ème case pour obtenir 7 et 5. Donc j'ai fait chromatisme ici de 3-4-5. 3-4-5. Je glisse après. Ça me fait ça. Donc le plan de sortie, je le refais. Donc le tout, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3. Je repars du début. 2, 3, 4. 2, 3. Voilà pour ce qui est de l'intro. Nouvelle partie, une partie cette fois en tierce. C'est rare chez ZZ Top, hein, puisque c'est des adeptes des accords de quinte, mais là, on va voir. On va voir donc un accord limité à deux notes, la fondamentale et la tierce. Donc c'est un Mi mineur. Ici, vous avez un Mi en 7ème case, corde de Ré, corde de La, et vous avez la tierce en 5 cordes de Ré. Ok ? Donc on peut considérer que c'est un Mi, ou alors. Que c'est deux notes de l'accord de La. Mais moi je considère comme un Mi. Et donc là on était en mineur, on va reculer ici en Ré. Et cette fois ce sera un Ré majeur avec le 5 et le 4. Donc les deux accords apprennent à vous servir de l'index comme rail, c'est-à-dire qu'il est en 5 et il est basculé en 4, et selon les besoins on utilise l'annulaire pour le premier accord et le majeur pour le second. Donc ça va assez vite. Et
deux formules rythmiques différentes avec les deux mêmes accords. Pa-dam-dam, 3, 4, tap, tap, ta-dam. Donc on est en l'air sur la deuxième partie. Là on fait 1 et 2, donc 3, 4. Et le dernier, il est très trituré, il est vraiment... Donc, je refais au ralenti. 1, 2, 3, 4. Pas trop l'habitude ça en gros rock, mais bon, ça sonne. Donc, dès le deuxième tour, vous avez entendu, j'ai fait... C'est pas une obligation, mais c'est vrai que ça sonne un peu mieux si vous faites ça. Donc déjà, travaillez ça, et on verra pour le couplet la prochaine fois. Travaillez bien.